Voilà 50 000 euros. Pour vous. 50 000, c'est pas assez. C'est grand ici. Ça, c'est seulement les 10% pour la promesse de vente. On était d'accord il y a 5 minutes. 5 minutes, c'est pas assez. Allô ? Raphaël, désolé pour l'heure, mais il y a une couille. C'est son neveu qui a la signature. Il s'appelle Ramunso Ben Larangoy, machin, non, accouché dehors. Je vais aller le voir, le neveu. Mais... Écoute, je connais Sybil. Elle va jamais lâcher l'affaire. Vous avez 48 heures. Attention, le Pays Basque, je connais. Des gens sympathiques, mais un peu rugueux. On oublie tout. Le beau ciel de Mexico. Tu vois, Gaëtan, c'est ça, la France. Elle a pas traîné, celle-là. Ah bah, ici non plus, elle va pas traîner, tu vois. Tu l'as mis où, l'argent? Hein? J'oublie tout, Ramon. Et encore bravo pour votre imitation de Tino Rossi. C'était Luis Mariano. Oh, la balayette qui t'a mis. J'ai qu'une chambre de libre, on est en travaux. Ça te dérange pas qu'on dorme ensemble, Gaëtan? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Bon, vous en voulez combien de votre boutique? Elle est pas à vendre. Jamais je ne signerai votre papier. J'ai donné 100 000 euros à votre oncle, en espèces. Je sais pas, moi, habite-toi un peu, invite-le au resto, le chanteur de Mexico. Tu veux que je couche aussi? Bon, écoute, avec Luis Mariano, tu risques pas grand-chose. Hein. Mmh. Oh, pardon. Ah, c'est pas votre stagiaire? Si, c'est mon stagiaire. Tenez, prenez ça, vous serez plus à l'aise. Mais alors, vous êtes français ou espagnol? Je suis basque. Oh, attention! Arrêtez de me prendre pour une conne, hein. Vos petites embrouilles, ça va pas marcher avec moi. J'ai bac plus 7, je suis sortie major d'HEC, moi. Et ben moi, je sors de prison, je sais pas où il est, votre pognon. Pas mal pour une bourgeoise. Ah, ça y est, c'est une vraie basque.